Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique, pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite place à la démo et aux explications. Allez, pour ce tour, on va avoir besoin d'une pièce, par exemple une pièce de 10 centimes, et surtout un marqueur très spécial, un marqueur porte-monnaie. Oui, son capuchon est très spécial, pourquoi? On va essayer de faire entrer la pièce dans le capuchon, car c'est un marqueur porte-monnaie, je vous l'ai dit. Regardez bien, il suffit de faire ce petit passe magique comme ceci, on fait 1, 2, 3, instantanément, la pièce rentre dans le capuchon, et ce qui est encore plus fort que c'est, si on retire le capuchon et qu'on secoue, on arrive à faire sortir la pièce du capuchon. Pour l'explication du stylo porte-monnaie, alors voilà, il faudra une pièce, et un marqueur, un stylo, peu importe, avec un capuchon, c'est important. Et en fait, le but, c'est de faire donner l'impression de faire entrer la pièce dans le capuchon. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer la pièce en l'air et l'attraper avec la main, avec les doigts de la main droite, tout en donnant l'impression que ça rentre dans le capuchon. En gros, au ralenti, ça donne ça. Hop. L'astuce, c'est vraiment de tenir, en fait, du bout des doigts, de l'index majeur et pouce, votre stylo. Donc, vous montrez la pièce comme ceci. Et là, vous pouvez tenir soit la pièce du bout des doigts, soit la tenir tout simplement en main. Le truc, c'est que vous n'allez pas vraiment lancer la pièce en l'air, c'est que dans le mouvement, vous allez tout simplement faire ce mouvement-ci, et la pièce, par la gravité, va rester légèrement en l'air. Hop. Et du coup, ça va vous faciliter la chose pour l'attraper avec les doigts. Et ça donne ceci. Hop. Vous voyez? On l'envoie légèrement, mais c'est pas vraiment un gros mouvement, c'est vraiment on laisse tomber tout en... On fait ce hop. Voilà, vous voyez? Vous l'envoyez comme... Vous la catapultez au niveau des doigts, et la main droite, en fait, va venir hop, de suite saisir la pièce, invisiblement. Hop. Donc vraiment, vous attirez l'attention, vous montrez la pièce par exemple du bout des doigts, vous tapez dessus, vous montrez le stylo, vous faites 1, 2, 3, instantanément ça rentre et là vous tapotez. À ce moment-là, la pièce est tout simplement dans votre main, dans vos doigts ici, comme ceci. Vous venez, vous montrez le stylo, vous enlevez le capuchon, vous hésitez à la faire sortir, vous avez du mal. Et quand vous voulez la faire sortir, vous ouvrez les doigts pour sortir la pièce. Je vous remontre la pièce, le stylo, on tape dessus, hop, ça rentre dedans. On soupe et hop, on sort la pièce du capuchon. Voilà, petit effet sympa à incorporer dans une routine de pièces. Franchement, ça passe très bien si on enchaîne avec le reste des techniques qui va avec. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.